L'épisode du jour, eh bien c'est un petit sujet mise à jour Bosch, mais cette fois-ci côté utilisateur, côté propriétaire du vélo. Je vous ai fait un sujet côté revendeur par rapport à la mise à jour du logiciel, ou plutôt des logiciels, qui permettent à la fois de mettre à jour nos motorisations en Smart System, mais pas totalement, et également cette mise à jour revendeur qui permet de mettre à jour l'ordinateur du magasin pour pouvoir aller faire du diagnostic de capacité restante de batterie à condition d'avoir le gros boîtier de capacity tester spécial Smart System. Là aujourd'hui on va parler côté consommateur. Cette mise à jour consommateur, vous pouvez en faire entre guillemets une partie, vous, du moins l'utilisateur, vous allez la faire complètement. Mais par rapport à ce qu'on a pu faire avec l'outil revendeur, vous ne pourrez pas tout faire. En revanche, vous pourrez, une fois cette mise à jour faite, compter environ 20 minutes entre la mise à jour sur votre smartphone et depuis le smartphone, la mise à jour sur le vélo. Et bien, une fois que celle-ci sera paramétrée, vous aurez la possibilité d'aller paramétrer les écrans de votre Kiox, voire même de créer vos propres écrans. Style celui-ci ou encore et bien celui-ci. Et puis bien sûr, vous retrouverez les écrans classiques et vous pourrez même choisir leur ordre de sortie, d'apparition. Par contre, dans tous les cas, fini la variation avec ce bouton-ci pour passer de l'une à l'autre. Car cette fonction pour passer de l'une à l'autre, eh bien, tant que vous n'aurez pas fait la mise à jour, vous aurez double affichage, c'est-à-dire quatre écrans, la possibilité de passer entre guillemets à l'étage ou au sous-sol, pour avoir quatre autres écrans. Maintenant la présentation est totalement linéaire, ce qui est beaucoup plus simple à l'utilisation. Avec l'ancien paramétrage, moi perso j'étais tout le temps perdu à chercher les différents écrans. Ça me va bien cette nouvelle présentation. Par contre, cette chaîne YouTube, c'est pas un forum. C'est clair que les commentaires sont ouverts. Si vous allez sur SramTech, il n'y a pas de possibilité de mettre de commentaires. Moi j'ai pas bloqué la chose, mais n'en faites pas un forum. Et puis s'il vous plaît, les trolls, arrêtez, racontez des bêtises. Les modes Tour, Tour Plus, Eco, Sport, IMTB, IMTB manivelle courte, Turbo ne sont paramétrables pour choisir entre 1 et 4 modes que depuis le diagnostic, que depuis l'ordinateur, que depuis l'application revendeur qui est faite en magasin avec un PC connecté directement chez Bosch. Plus d'outils dongle, donc arrêtez de raconter des bêtises. Le mode Tour n'a pas été remplacé par le mode Tour Plus ou par le mode Sport. Ce sont des choix personnels qui ont été faits sur mes vélos, mais avec l'outil revendeur. En aucun cas, vous pourrez modifier ce genre de choses avec l'application côté consommateur. Avec cette application Flow, en revanche, ce que ne pourra pas faire votre revendeur, eh bien, c'est justement choisir les écrans. Est-ce que vous voulez comme ordre d'écran et comme type d'écran? Ça reste vos choix à vous. Et puis par rapport aux 1 à 4 modes que votre revendeur vous aura sélectionné, eh bien vous aurez toujours la main pour personnaliser ceci au niveau assistance, couple, vitesse max, pour pouvoir personnaliser ces supports avec à chaque fois plus ou moins 5, ou encore au niveau de la vitesse, la possibilité de bloquer la vitesse entre 15 et 25 km/h sur un mode ou tous les modes, puisque chaque chose se fait individuellement. Voilà, grosso modo, à quoi il faut s'attendre. Et puis, pour ceux que ça intéresse, eh bien, je vais vous parler de comment faire cette mise à jour. Donc déjà, première chose, avoir un VAE suffisamment chargé et puis un smartphone également suffisamment chargé avec une bonne connexion Wi-Fi. Une fois que les deux se réunissent, eh bien, il faut que votre smartphone soit connecté à votre VAE, forcément. Et là, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus sur mes déceptions par rapport à ces nouvelles mises à jour. C'est que, eh bien, on est toujours limité à un seul vélo par téléphone et par application. Donc il faut se déconnecter de l'un pour se connecter à l'autre. Impossibilité de paramétrer plusieurs vélos puisque le fait de se retirer réinitialise. Ça veut dire que si on se fait ces petits écrans sympas, tout ça, etc., et on ne pourra pas le faire sur plusieurs vélos avec un même smartphone. Donc si vous voulez gérer le vélo de madame et le vélo de monsieur, si vous-même, comme moi, vous avez un VTT AE et un vélo plus urbain ou encore un cargo, tous motorisés Smart System, eh bien il vous faudra un smartphone suffisamment récent, par vélo
et surtout, eh bien, pour pouvoir proposer et surtout pour pouvoir profiter de la fonction e-bike lock, sans même parler de Connect Module, hein, qui est l'alarme intégrée, eh bien là encore, pour avoir e-bike lock, c'est lié au téléphone, au smartphone, et puis la grosse nouveauté dont vous aurez quand même accès avec votre mise à jour faite perso avec votre téléphone, c'est la possibilité de paramétrer votre vélo pour que votre écran Qioxx, qui est amovible, eh bien, serve de clé numérique au démarrage du vélo. Et vous pouvez même cumuler Qioxx plus téléphone. Mais là, attention, si vous perdez le Qioxx, le vélo ne démarrera plus. Donc c'est pas forcément le bon choix. Ah, alors, faut pas être distrait. Imaginons, vous chutez, il se déclipse, vous repartez pas. Vous faites un resto, vous faites chaparder le Qioxx, vous ne repartez pas. Donc, fonction anti-vol, oui, mais attention à l'arroseur arrosé. Ah, ça, c'est le genre de choses qui peut très mal finir. Vous voyez cette branche là, j'aurais pu m'empaler. Waouh. Et ouais, avec les feuillages, j'ai rien calculé. Vaut mieux avoir une bonne étoile. C'est encore mieux que les applications. Voilà, ça passera mieux maintenant. Ouh, eh bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas tout compris là, par rapport à ce qu'on ne peut toujours pas faire, je vous ferai un petit sujet sur justement ce qui ne va toujours pas. En tout cas, le fait de paramétrer les écrans en mode personnalisé, jusqu'à 30 combinaisons possibles, apparemment, annonce le système, ça, c'est vraiment un plus. L'ergonomie est vraiment pas mal. Après, le fait d'avoir le kiosque qui sert d'antivol, ça existait déjà sur les générations 4 avec le moteur CX, avant le Smart System, c'était payant. Là, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Merci Bosch.